Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo très spéciale car ça va être une vidéo spéciale pack. Et en fait c'est une vidéo pour un peu sensibiliser les gens sur le fait de ne pas acheter de lapin pour Pâques parce que c'est des êtres vivants et c'est pas du tout la même chose qu'un lapin en chocolat. Un vrai lapin c'est beaucoup de contraintes, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification et à commenter car ça me fait très plaisir de lire tous vos commentaires. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Un lapin en chocolat, ça dure quelques minutes, pas plus. Alors qu'un vrai lapin, ça peut vivre 10 ans. Donc c'est très long. Un lapin de Pâques, ça coûte pas cher du tout. Un vrai lapin, ça coûte très cher. Entre le foin, les granulés, la litière, tous les petits accessoires, donc les jouets, les paniers, les couvertures, bref, tout ce genre de choses. Plus le vétérinaire pour les vaccins, mais en plus les opérations qui ne sont pas prévues, ça peut coûter très cher un lapin. Un lapin de Pâques, il demande pas d'attention, il est bien dans son coin tout seul. Alors qu'un vrai lapin, il veut qu'on le caresse, qu'on joue avec lui, qu'on lui donne à manger, qu'on lui fasse des bisous, etc. Un lapin de Pâques, il peut rester seul pendant toute une semaine, donc c'est parfait pour les vacances. Un lapin de Pâques, c'est propre parce qu'il ne fait pas ses besoins, et d'ailleurs, il fait aucune bêtise aussi. Sauf qu'un vrai lapin, ça fait beaucoup de crottes, et aussi beaucoup pipi, mais surtout beaucoup de bêtises. Un lapin de Pâques, ça n'a pas besoin d'être sorti. Alors qu'un vrai lapin, il a besoin de sortir. Il adore le soleil, il mange de l'herbe. Ils adorent courir dans l'herbe, etc. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Donc du coup, on se dit à dimanche prochain. Bye !